Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation de la PLUS de marque Waterfly. Donc on va procéder à quelques petits tests rapides et puis je vais vous décrire un peu ses caractéristiques. Puis on va en profiter en même temps pour pêcher un peu sur le bord de Sarthe, comme vous pouvez le voir avec Adrien derrière moi. Ça va les gars? Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, elle est conditionnée dans une pochette, mais pas très grande, qu'on peut porter à la bandoulière. Donc elle se présente comme ça, le poids total 1,2 kg. Donc on va passer à l'ouverture de la pochette. Déjà la première partie, la pelle en elle-même, tenue par deux petits velcros. Voilà, déplié. On peut voir ici, pour maintenir le manche, on remonte cette partie-là, cette petite bague-là. Voilà. 180 degrés, 90 ou 45. Vous avez ici une graduation sur 10 cm, une partie scie et un tranchant. Ici, cette partie-là est très tranchante. Ensuite, vous avez une partie avec un marteau de sécurité, marteau brise-vitre, que l'on peut venir emboîter dans la première partie. Ensuite, une autre partie, vous avez ici cette partie noire qui se dévisse, et là on a une scie lame, voilà, que l'on peut venir visser dessus, et cette partie là on peut l'emboîter dans la seconde partie. On commence déjà à avoir une bonne longueur, on a trois parties, une, deux, trois, et la dernière partie avec un tournevis plat que l'on peut venir emboîter dans la troisième partie. Voilà la pelle complète. Et j'ai oublié de vous présenter le dernier embout ici. Donc vous avez une boussole. Et je peux vous dire qu'elle indique très bien le nord, puisqu'on l'a testé tout à l'heure. Juste en dessous de la boussole, vous avez ici un fire steel. Je vais tenter de couper cette petite bûche avec la pelle. On va voir ce que ça va donner. Oh. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait déjà trois tranchages et vous avez aucun effet sur la pelle. Donc elle n'est pas déformée. Alors, on va tenter de scier avec cette partie-ci de la pelle. Comme vous pouvez le voir, donc sur ces petites tailles de branches, ça fonctionne très bien. Mais on ne pourra pas aller au-delà de ce diamètre de branche, parce qu'après ça devient trop laborieux, vu que vous n'avez pas assez d'amplitude. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de longueur de scie pour pouvoir scier correctement. Donc ce qui est pratique avec donc, cette partie couteau scie, c'est qu'on peut ajouter 2 à 3 manches pour avoir de plus en plus de longueur. En
bilan de cette petite pelle. Fonctionnalité première irréprochable, hein. On peut creuser, couper, trancher sans souci. Ensuite, tout ce qui est petit plus, on va dire, donc le couteau scie, la boussole, le fire steel, le marteau brise-vitre et le tournevis. Tout ça, c'est des petites choses en plus qui sont pas forcément très efficaces, mais qui peuvent nous dépanner. Voilà pour cette pelle US Waterfly. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!